Hey yo les Nakama, c'est Shodai, mais j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 d'Assassin's Creed Syndicate. Et dans le dernier épisode, eh ben, on a pas mal ragé. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est le même gameplay en fond que j'ai fait quand je terminais l'épisode 16. Parce qu'en fait, c'est un seul et même épisode que j'ai coupé en deux au montage en fait. Du coup, j'ai fait beaucoup de montage dans le truc précédent. Mais c'était la première partie de la vidéo en fait. Là, c'est la deuxième partie, mais on va compter ça comme deux épisodes. Et du coup, bah, je vous laisse avec la suite. Donc, on va commencer la mission. Dieu, pour se revoir 2 secondes après, tu te fous de ma gueule avec ton kleps de merde là. Pédé de chien va. Non, je rigole. Alors, Mrs. Disraeli et son cocher, ouais. Parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir à. Non, non, c'est bien Mrs. Donc, Marie-Annie Disraeli veut visiter Devil's Acre et demande à Jacob, son nouveau garde du corps, de l'y emmener. Bon, ben on va faire ça. En espérant que je rage pas comme un gros porc cette fois. Ah, je pense que vous allez bien vous marrer en regardant la vidéo en me voyant rager, ou pas. Je sais pas, ça dépend de ceux qui aiment les insultes ou pas en fait. Madame. Mr. Fry. Prête à prendre l'air? C'est l'heure à laquelle Devil's Acre prend vie. Je crains de devoir annuler notre rendez-vous. La pelouse. Grouille de journalistes friands de scandales. Et je ne peux me montrer en compagnie de quelqu'un de si. Je vais les chasser. Rejoignez-moi quand ils sont partis. Oui. Mais soyez pour toi, voulez-vous? La presse est extrêmement chatouilleuse et sensible à toute violence à son endroit. Je vous promets de ne pas trop les secouer. Silence, Desmond. Ah oui! Putain, stylé, c'est vrai que. Ah, pas mal le petit clin d'œil. Putain, j'avais oublié. C'est vrai que son chien l'avait appelé Desmond. Mais en plus, tu vois, son chien, tu sais, encore ça va, il est joli. Tu vois, c'est pas comme les meufs qui sont là avec leur chihuahua, leur rat, je sais pas ce que c'est le truc là, tu sais, avec des chiens tout moches là. Elle, au moins, elle a un beau chien, tu vois. Et ça, c'est beau. Distraire les journalistes à l'aide de la vendeuse de journaux, ouais. Ben on va aller voir la vendeuse de journaux et puis voilà. Oui? Elle est là-bas la vendeuse de journaux, c'est bon, je l'ai vue. Parce que bizarrement, c'est celle qui est en vert. Alors, bonjour. Tiens, débrouille-toi pour que ces hommes là-bas me suivent. D'accord, monsieur. Mieux vaut que je les sème avant qu'ils ne me mettent en pièces. Là. Voilà, à mon avis, ils peuvent pas trop me suivre, hein. Ou alors, franchement, le mec, c'est qu'il a la foi, hein, et son métier, c'est toute sa vie. Maintenant que ça c'est fait. Voilà, on descend au calme air, tu vois, si la famille. Tant même chasing. Ta gueule! On va y aller tranquille, tu vois. Ah, ça fait plaisir d'être sur une autre mission là. Ah, mais par contre, je vous jure qu'après celle-là. Ah, je vous jure qu'après cette mission, par contre, j'arrête. Hein, parce que là, c'est bon. Je tournerai l'épisode un peu plus tard. Je vais pas le tourner à la suite, par contre. Ah, je suis pas fou. Hein. Vas-y, ma jolie. Ça va, on a un bon rythme là. Hein. Oui. En fait, j'ai pas envie de les renverser, tu vois, j'ai envie de conduire comme un bon citoyen. Non, on s'en bat les couilles, on fait comme dans GTA, nous. Hey, nique le système! Allez, c'est bien. Si bien. Ah, ça fait plaisir de faire une mission tranquille, là, tu vois. Doucement, là.
Tuer une bonne jument. C'est sûr qu'en même temps, ils vont pas te mettre à mal avec une tub qui fait 30 km là. T'as cru que j'allais dire centimètres ou quoi? Frère, les chevaux, frère, les mâles, ça rigole pas. Hein. Évitez d'être détecté par les malfaiteurs. Wesh, j'ai même pas capté qu'elle était descendue, elle. Plus discrète qu'un assassin. Évitez d'être détecté. Ouais, tu... Ouais. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. On va bien s'amuser. Votre chien a l'air fâché. Oh, Desmond va bien. Mais il n'aime pas beaucoup les étrangers. Je m'en bats les couilles de ton clébs de merde qui ferme sa gueule. Voilà, tu vois, comme ça, là, on les repère bien. Il y a les deux là-bas. Voilà, c'est bon, ça a enregistré les deux. Tac, nickel. Il y a eu l'objectif. Ah, je sais pas, tu sais quoi, je vais tous me les faire en fait. Tac, on va prendre ça. Quoique, non, je me tâte à me faire un petit assassinat aérien là. Ou alors à le coller. Ta gueule. Et ouais. Ah, bientôt elle me suce la bite, la meuf. Mais merde, mais en fait, moi c'est sûr que si je la touche pas, on va pas aller loin. Voilà, je suis con, moi. Bah, je sais pas, au moins, t'as vu, ça en fait deux en moins, donc tranquille. Savez-vous que ce monsieur est un marchand des quatre saisons? Tac. Toi, on va bien t'enculer. Ce qui est de travailler, on n'a pas le choix. Après vous. Oh là là, alors lui il était vraiment pas loin. Voilà, nice. Comme ça, ça c'est bon. Là, on descend. Hop, on va aller la voir. Comme ça, on peut avancer tranquille vers notre objectif. Sans se faire repérer, bien sûr. Non, c'est là-bas, c'est derrière. T'as pas l'air d'un con là, Jacob. Espèce de petit con, va. Mais lui, il aime beaucoup les personnes âgées, hein. Enfin, les personnes âgées, je dis ça comme si c'était une vieille, mais enfin les personnes plus âgées que lui, je veux dire, tu vois, attention, confondez pas. Il aime les MILF, Jacob. Alors, attends. Là. Parce que là, ça va être chaud, là, tu vois, de les contourner, là, c'est... En fait, il y en a deux là. Qu'il faut que je me fasse en premier, en fait, je pense. Ah non, je sais ce que je vais faire. Ça va être tout con. Regarde. Tiens, voilà. Ouais, non, mais en fait, c'était... Ça devait t'empoisonner à la base. D'accord, nique ta mère. Putain, tu sais quoi, il m'a gavé. Oh putain. Oh là là. Oh, le bon moment. Je m'en bats les couilles, je vais tous vous enculer.
Hop là. Vous voyez l'expert là? Hop là. Hop là, esquive. C'est bon, je reprends du poil de la bête. Hop là. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'es mal, j'ai... Oh merde. Mais merde, il est con. Voilà. Bon, moi maintenant on peut avancer tranquille, tu vois, je me les suis tous fait. Ta gueule. C'est vrai, y'a plus personne pour faire chier là. Ah merde, attends, y'a un coffre là. Il est où, au-dessus, en dessous? Ah, il est là. Vas-y, lâche. Voilà. Oui. Arrête de faire l'handicapé mental, Jacob. Arrête. Voilà. Là, tu rentres. Voilà. Normalement, c'est à l'étage, je crois. Donc à l'étage, t'as un putain de coffre. Donc tu vas arrêter de faire ton débile mental et tu vas me prendre ce coffre. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est un genre de maître assassin. Ça rigole pas, ça. Ça, en vrai, tu le fais, tu... Moi, déjà, je me prends les jambes dans le truc et puis je décède, moi, t'as vu. Merde, j'ai pas réfléchi, j'aurais pu utiliser les tonneaux, là. Allez, on y va. Quelle sorte de viande vend cet homme? Mieux vaut ne pas le savoir. Hein? Est-ce une chose affreuse? Du rat, peut-être. Je ne veux pas être indélicat en votre présence, mais on appelle aussi ça du mouton qui aboie. Nous y voilà, ce bon vieux Wanton. Hey, il a même pas terminé de parler, wesh. Donc ceci est une pinte, n'est-ce pas? Remarquable. Joli chien. Non, Desmond, casse-toi, sale pute. En fait, c'est simple, il y a juste à... Il y a juste, hein. Ouais, je me fais tourner en brique, ce connard. Ah non, c'est bon, c'est bon. Bon chien, Desmond. Rends-moi le clébard. Tu changeras de ton quand on t'aura retrouvé. Allez, Desmond, on va te ramener à ta maîtresse que j'ai laissée seule et sans défense dans l'un des pubs les plus dangereux de Londres. Mais si vous n'avez jamais dit à votre père ce que vous pensez de lui, comment peut-il le savoir? Je n'avais jamais vu ça comme ça. Au fond, on veut tous qu'on nous aime. Très juste. Tenez. Prenez un bonbon. Ah, Desmond et Mr. Fry, j'aimerais vous présenter. Oh, désolé, je n'ai pas retenu votre nom. John LeBranc. Enchanté. Je crois que nous ferions mieux de rentrer. Bonne idée, Mr. Fry. En avant, Desmond. Regardez qui voilà. C'est notre promeneur de chiens. Oh. Allons.
Ne nous fâchons pas pour si peu. Oh, ça va partir en tête à tête. Attends, déjà je vais les défoncer parce que j'ai envie. Enfin, à la base j'ai commencé sur lui, donc autant le terminer. Hein. Toi t'es vraiment pressé de crever toi, hein, le mec. Oh. C'est bon, on y allait pas tous en même temps les gars, chacun son tour, merde. Ah PD. Tiens, coup de tête à la Zizou, t'as vu? Allez hop, ça c'est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à fuir le secteur. Et ce sera tout bon. Aïe. Sur la collusion. Vous le trouvez sans doute au palais de Westminster, mais soyez prudent. Le gouvernement ne pourrait se permettre un nouveau scandale. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Désolé, je parle pas parce que j'écoute ce qu'ils disent en fait. Hein. Bravo. De toute façon, on est arrivé là, donc c'est bon. Soirée, Mr. Fry. Je dirais le plus grand bien de vous à Dizzy. Oh, oh oui. Oh, c'est bon, c'est fini la libération. Je vais enfin pouvoir arrêter cet épisode. Ah, qu'est-ce qu'il était éprouvant celui-là, surtout la première mission là. Pff. Ah, elle était horrible. Mais bon, ce sera marrant. Moi, je pense qu'au montage, je vais rigoler en me voyant rager. Parce que j'ai beaucoup ragé. Du coup, voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Voilà. Ah, attendez, on va se les faire parce qu'il faut un peu les fous. Ta gueule. Voilà. N'oubliez pas de commenter, partager et vous abonner. Si vous voulez suivre toutes nos vidéos, et puis moi les amis, eh ben je vous dis à la prochaine. Ciao.